Bonjour à tous, bienvenue au cours de dessin de détails et d'ensemble. Cette semaine, au chapitre 5, nous allons voir la révision des notions de base de dessin pour les mises en plan d'assemblage. Dans ce chapitre, nous allons faire une démonstration à partir de l'étau de perceuse que vous connaissez bien. Donc, on va prendre l'étau de perceuse assemblée au complet. Cette pièce-là, vous ne la retrouverez pas dans vos dossiers. C'est vous qui l'avez modélisée. C'est-à-dire, vous ne le trouverez pas sur le partage. Ça va être dans vos dossiers de modélisation. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va créer une mise en plan à partir de cet assemblage-là et on va rajouter tous les éléments qui vont avec la mise en plan, comme l'ajout des coupes, les vues de détail, les bulles, la liste de matériel, etc., etc. Donc, on va passer au mode de SolidWorks pour faire la démonstration. Donc, nous allons commencer le travail avec la mise en, avec l'assemblage de l'étau. Et on va créer un assemblage à partir, c'est-à-dire, on va créer une mise en plan à partir de la pièce ou de l'assemblage. On va faire un format B en pouces. Et voilà. Et on va venir insérer une vue. Comme vous pouvez le remarquer, les vues sont très petites ici, donc il faudra ajuster les échelles. Excusez. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner avec contrôle toutes les vues qui sont à l'écran. Et dans la section des échelles ici, je vais cliquer sur Utiliser une échelle personnalisée. Et on va y aller avec une échelle de 1 pour 1,5. Ou encore, on pourrait dire 2 pour 3, là. Donc, ça ferait le même résultat. Et voilà. Donc, on va venir ajuster notre disposition comme ceci. La première chose à faire, ça va être de regarder bon, l'allure des vues. Ici, on se rend compte que bon, il y a beaucoup de pointillés à l'intérieur, mais c'est quand même assez clair comme vue. Pour cette vue-là, ici, il y a un problème majeur, c'est lorsqu'on vient zoomer cette section-là, donc il y a trop d'informations ici. Ce que ça vient nous dire, c'est que ça va probablement prendre une vue en coupe à ce niveau-là. Puis ici, on a beaucoup d'informations qui est en pointillé, mais c'est quand même clair. Et celle-là ici, c'est quand même relativement clair aussi. Donc, celui-là, on ne devrait pas le retoucher tellement. Donc, le problème qu'on a, c'est avec cette vue-là ici. Donc, moi, je vais tout simplement la supprimer et je vais la remplacer par une vue en coupe. Là, on va utiliser des fonctions de coupe qu'on a déjà vues dans le chapitre sur les mises en plan avancées avec les coupes. Donc, si j'utiliserais une vue en coupe horizontale, et là, je vais venir sélectionner le point central ici de ma poignée. Je pourrais cliquer ailleurs aussi sur la vue. Et ensuite, je vais y aller avec un décalage simple. Mon décalage va se faire au niveau entre mes deux mâchoires ici. Et je vais venir sélectionner un point central sur la vis ici pour être sûr d'avoir une vue qui va être centrée sur le boulon qui est ici. Là, ça devrait me donner une vue qui est intéressante. Maintenant, vous avez des options supplémentaires lorsqu'on fait les coupes en assemblage. Nécessairement, nous, on va devoir prendre le mode hachurage automatique. Je ne sais pas pourquoi ils ne le mettent pas toujours par défaut, parce que l'hachurage automatique, c'est juste d'ajuster les hachures pour que chaque pièce de la coupe soit différente, puis qu'il y ait des hachures qui sont représentatives, donc avec des angles différents, etc. Les autres options, on ne touche pas à ça pour l'instant. On va faire OK. Et on va venir positionner notre vue ici à peu près alignée avec celle-là. Donc, ce n'est pas parfait comme alignement, mais ce n'est pas plus grave que ça. Ça ne changera pas grand-chose pour notre représentation. Donc, je vais juste vérifier au niveau de la théorie si je n'ai pas oublié des petites choses à vous dire. Ça va. Ça va. OK. Donc, un des problèmes qu'on remarque ici dans notre vue de détail, notre vue de coupe, c'est-à-dire, c'est que, bon, il y a beaucoup de pièces qui sont coupées et les hachures ne sont pas très différentes d'une pièce à l'autre. Une des règles qu'on veut, qu'on aime bien, c'est que quand les pièces sont plus petites, les hachures devraient être normalement plus serrées.
Là, c'est pas ça qu'on voit ici. SolidWorks fait pas un super bon travail. Entre autres, j'ai vu des pièces ici qui n'ont pas tout à fait. C'est-à-dire qu'ils ont les mêmes hachures, mais c'est deux pièces différentes. Donc, ça devrait être un peu plus différent que ça d'une pièce à l'autre. Donc, ça, on peut retravailler ça. Et aussi, au niveau de la coupe, on a cette ligne-là qui est une ligne droite qui vient en fait représenter le changement de direction dans ma coupe brisée à plan parallèle que je viens de faire. Donc, cette ligne-là, je ne l'aime pas beaucoup. Elle n'est pas très représentative. On a l'impression que c'est une ligne de la pièce alors que c'est juste un changement de direction. Donc, moi, je vais enlever cette ligne-là. Donc, je vais faire cacher l'arête et je vais la remplacer par une spline que vous allez retrouver dans les fonctions d'esquisse. Je m'en viens ici. Premier point, deuxième point, troisième point, quatrième point. Comme ceci. Puis là, on peut l'ajuster un peu. Là, il est pas mal intense. Je vais réduire la spline. Comme ceci. Ça, c'est beaucoup mieux comme résultat. On a plus l'impression que c'est un changement de direction ici à cause de la spline. Donc, on comprend que ce n'est pas une géométrie de la pièce. Maintenant, si je veux changer des hachures dans les pièces, on l'avait déjà vu comment le faire. Donc, je clique dans les hachures. Posons ces deux-là ici. Je les sélectionne. Et je vais choisir une échelle différente ici, une orientation différente. Comme ça, c'est bon. Et puis au niveau de l'échelle, voyez-vous, je viens réduire les hachures ici, ça donne un meilleur résultat. Pour les autres pièces, pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Il y a seulement qu'à l'intérieur ici qu'on va faire des modifications. Moi, je trouve que le petit anneau qu'on a ici, c'est pas très représentatif. On n'a seulement qu'une hachure là-dedans. Comme c'est une pièce qui est très petite, j'aurais tendance à venir carrément noircir l'intérieur. Parce que les hachures, là, quand ça va être imprimé ou que ça va sortir en PDF, les lignes sont assez épaisses. Donc, ça va faire que si je grossis les hachures, ça va être noir de toute façon. Donc, ici, je vais venir enlever les hachures du matériau et je vais mettre ça en mode uni. Oups, là, il y avait une sélection de trop ici. On va le canceller. Il veut pas. Bon, ça va bien. Si je le mets en mode hachure, ça va. Celui-là en mode hachure. Puis on va tout simplement resélectionner ces deux-là ici, puis je vais augmenter comme ça. Bon. OK. Donc, je n'aurais pas dû cliquer parce que j'ai cliqué, j'ai sélectionné. Dans le fond, ces zones-là ici, mais eux, ils étaient déjà sélectionnés aussi. En prenant le bouton contrôle, ça l'a rajouté. Donc, ça a modifié les ceux que j'avais déjà faits au début. OK. Maintenant, pour améliorer cette vue-là, autre chose qu'on pourrait faire aussi, c'est ajouter des lignes d'axe. Ça, on peut en profiter pour vérifier les autres vues aussi, puis rajouter les lignes d'axe dans les autres vues. Donc, je mettrai ça en mode sélectionné. Comme ceci. Comme ceci. Donc là, ça a bien du bon sens. J'ai des lignes d'axe qui flottent dans le vide. Ici, étant donné que c'est une coupe, je n'ai pas d'arête cachée. Ben, ceux-là, on pourrait tout simplement les effacer. Si on veut enlever un petit peu de détails inutiles sur notre dessin. Comme ceux-là ici servent, dans le fond, uniquement pour identifier qu'il y a des arrondis sur les snap rings. Donc ça, on n'aurait pas de besoin non plus. Je vérifie celle d'en haut. Bon, il y a beaucoup de pointillés ici, pas de pointillés, mais de lignes de lignes d'axe. Je ne les effacerai pas toutes là, parce que ça va être long, mais comprenez le principe, c'est que ça vient surcharger un peu notre dessin. OK. Maintenant, ce qu'on va faire, là, je vais vous expliquer un principe, c'est que dans vos dessins, habituellement, tout ce qui est des éléments de fixation, tout ce qui est des tiges, des arbres, des pivots, normalement, ça ne devrait pas être coupé. Okay, donc, je donne les exemples que nous, on va corriger dans notre dessin. La vis qui est ici, puis la vis qui est là, il ne faudrait pas que ça soit coupé. Il faudrait qu'on les voit de côté, comme sans que ce soit dans la coupe. La vis qui est ici ne devrait pas être coupée non plus,
Et la tige qui est là ne devrait pas être coupée non plus. Okay? Donc, tout ça nous fait beaucoup de modifications à faire. Vous allez voir que c'est très rapide. Okay? Pour enlever les pièces de la coupe, je vais aller modifier les propriétés de la coupe. Donc, je clique pour sélectionner comme la vue, mais avec le bouton droit ici, et je vais aller dans les propriétés. Dans vos propriétés, vous avez une boîte qui apparaît. Il y a une section qui s'appelle étendue de la coupe. Et c'est là-dedans que je vais venir sélectionner mes pièces. Moi, celle-là, je ne veux pas qu'elle soit coupée. Celle-là. Et la tige. Pour ce qui est de la vis, on va travailler autrement avec la vis parce que je ne veux pas qu'elle soit coupée complètement. Je voudrais qu'elle soit coupée juste cette portion-là ici pour pouvoir voir à l'intérieur qu'est-ce qui se passe là. Fait que si j'enlève la pièce de la coupe, je vais me retrouver de cacher toute cette portion-là. Fait que là, on va le faire autrement pour celle-là, on va le faire après. Donc, je fais OK. Là, vous voyez que la tige ici n'est plus dans la coupe, donc elle n'est plus hachurée. Mes vis sont plus hachurées non plus. Et ici non plus. Si vous vous demandez c'est quoi ce cercle-là qu'on a ici, ben, c'est que ce type de vis-là, c'est une vis autobloquante. Donc, il y a comme une espèce de pièce en plastique à l'intérieur ici qui va venir bloquer, empêcher les filets de se dévisser. Un blocage comme une petite pièce en nylon là, qui va se déformer et qui va empêcher la vis de sortir. C'est important ici parce que quand on va forcer, qu'on va essayer de visser notre étau, on ne veut pas que la vis se dévisse à l'intérieur. OK. Maintenant, pour ce qui est de la vis principale, qu'on appelle la vis de manœuvre, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement enlever les filets, pas les filets, les hachures. Donc, je vais mettre ça en mode aucune. Et je vais me redessiner une zone ici que je vais pouvoir rajouter des filets dans cette zone-là. Donc, je vais aller dans Esquisse. On va dessiner un autre spline ici. La spline standard pour des pièces qui sont rondes comme ça, comme une vis, un pivot, un arbre, etc., c'est de faire une espèce de vague comme ça. Okay, c'est reconnu dans l'industrie, là, quand c'est une vague comme ça, qui est très égale là, des deux barres, là, ben, ça veut dire que la pièce est ronde. OK, ensuite, je vais rajouter des hachures. Pour rajouter des hachures dans des zones, il faut aller dans Annotation, Zone hachurée, remplir. Là, je vais pouvoir cliquer dans cette zone-là, puis automatiquement, lui, il va reconnaître que la zone est fermée ici. Il va venir me remplir ça avec des hachures. Je vais changer l'orientation ici, je vais mettre du 180 degrés. Pas 180, 90, comme ceci. Fait que là, il va y avoir une belle distinction entre les pièces. Bon, là, je commence à être heureux de cette vue-là. Ça commence à avoir pas mal d'allure. Pour ce qui est des autres orientations, pas grand-chose à faire là-dessus. Éventuellement, on pourrait enlever des pointillés, mais bon, c'est correct comme ça. Celle-là ici, il y a juste mon plan de coupe qui est pas tout à fait à la bonne place. Je vais le sortir un peu comme ça. Et là, quand vous jouez avec les plans de coupe, là, remarquez ce que ça a fait, là. Donc, il m'a fait des genres d'hachurage autour. Il faut faire reconstruire la mise en plan. Et voilà. Donc, on vérifie pour être sûr qu'il n'y a pas bousillé des choses. Tout est beau, tout est resté à bonne place. Maintenant, cette zone-là ici. Donc là, si je regarde ma feuille au complet, vous voyez que dans cette zone-là, c'est très petit, les pièces. Beaucoup de lignes qui sont dans un même paquet, donc on ne voit pas très bien. Moi, ce que je vous conseille de faire ici, c'est une vue agrandie. Donc, sur ma vue agrandie, ce que ça va me permettre de faire, ça va me permettre plusieurs choses. Ça va me permettre de mieux voir les pièces, ça c'est bien sûr. Mais si j'avais des mesures à mettre, ce serait plus facile de les mettre comme ça. Et puis, ce serait plus facile aussi pour identifier les pièces avec les bulles. Donc, je vais bien voir les pièces en gros, donc c'est là qu'il faudrait mettre les bulles, sur la vue agrandie. Donc, je vais y aller avec la fonction vue de détail. On va se faire un cercle ici qui va entourer toutes ces composantes-là. Et on va lui donner une échelle. Là, présentement, ce n'est pas grossi, là, c'est la même échelle. Nous, on veut agrandir, donc on a du 1 pour 1,5. Peut-être si on y allait avec du 1 pour 1, et où ça serait quand même assez gros, 1 pour 1. Ça va me donner une petite chance de faire
Ça pourrait être un peu plus aussi, là. On pourrait y aller avec du 1 pour, c'est-à-dire 1,2, supposons. Comme ceci. C'est quand même assez gros, là. C'est presque le double. Je replace la notation ici pour pas que ce soit dans le cartouche. Comme ça pourrait avoir du bon sens. Donc, j'ai une vue ici qui est vraiment claire, là. Je vois bien tous mes éléments. Je vais me rajouter des lignes d'axe. Et voilà, ça c'est bon. Et puis, autre chose que je pourrais faire ensuite, je pense que ce serait pas mal bon comme ça. C'est sûr qu'éventuellement, on aura besoin de mettre des mesures là-dessus. Les mesures qu'on a besoin dans un dessin d'ensemble, je peux les faire tout de suite, juste pour être sûr de ne pas les oublier. C'est qu'on va rajouter des distances extérieures. Donc, on va vouloir donner à l'usager une idée de c'est quoi les dimensions de cette pièce-là une fois assemblée. Ce n'est pas des mesures précises. Faut pas que ce soit des mesures nécessairement avec des décimales. Donc là, moi ici, je suis en mesure à deux chiffres après le point en décimales. Je pourrais la convertir au 16e de pouce, supposons. Donc ça me donnerait 9,5 de long. La poignée ici, elle a 4 pouces et demi. Ça aussi, je peux le mettre en décimales. On peut lui donner la hauteur de l'étau, 2 pouces. Puis on pourrait aussi éventuellement donner les dimensions d'ouverture. Là, moi, je suis ouvert à moitié, donc c'est plus ou moins intéressant. Parce qu'on va parler des configurations, je pourrais vous faire une petite démonstration pour savoir comment on va placer des positions différentes pour notre étau, puis représenter ça en mise en plan. Là, comme ça, pour l'instant, ça commence à être bon. Donc, il me resterait indiqué ici ma largeur. On va le mettre aussi en fraction au 16e. Et voilà. Donc là, on va avoir quand même pas mal d'espace ici si on veut travailler avec les bulles. Celle-là, je vais peut-être l'envoyer en haut ici pour laisser plus d'espace pour mettre les bulles à l'intérieur. Puis celle-là, il n'y a vraiment pas beaucoup de choses qui sont représentées là-dessus. Ici, je vais avoir des bulles qui vont apparaître. OK. Donc, les bulles, comment on va faire ça? On est dans la section annotation et on va prendre les bulles automatiques. Par défaut, le logiciel, pardon, il va vouloir mettre des bulles sur les vues, donc je vais sélectionner mes vues, comme ceci. Puis là, il a mis beaucoup de choses sur la vue d'en haut. Probablement que c'est la vue de face que j'aurais dû choisir en premier. Donc, je vais faire Escape. Je vais la recommencer. Je vais sélectionner ma vue de face en premier. Puis je vais faire les bulles automatiques après. Non, il ne semble pas vouloir mettre beaucoup de choses sur la vue de face. C'est un peu lui qui décide hein, ici. Donc, nous, on va avoir juste des corrections à faire après ça. Donc, dans toutes mes vues que j'ai choisies, c'est l'orientation qui est faite pour les bulles. Donc là, les bulles, il y a deux façons de positionner les bulles. Donc, si on clique sur une bulle, vous remarquez qu'il y a comme des lignes pointillées ici qui apparaissent. On appelle ça les lignes magnétiques. Donc, les lignes magnétiques, on peut les sélectionner toutes d'un coup, puis on va avoir des groupes de bulles qui vont être positionnés. Donc, mes bulles, j'essaie toujours de les placer un peu comme si j'avais un rectangle autour de ma pièce. Okay. Maintenant, ici, c'est un problème. Je ne dois pas traverser ma ligne de cote. Okay, donc ça, je n'ai pas le droit de faire ça. Donc nécessairement, ça ici, ça va se retrouver en bas. Et puis, je vais devoir repositionner ces mesures-là d'une certaine façon là, pour que ce soit plus clair que ça. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la vue de face le plus possible parce que c'est ici que j'ai vraiment la plus belle représentation des pièces. Okay, c'est là que je vois le plus clairement le plus de pièces. Fait que là, je vais cliquer sur ma bulle numéro 12. Elle, je vais la sortir ici. Là, voyez-vous, là, elle se trouve à pointer sur ma tige. Moi, j'aimerais mieux pointer dans la surface.
Parce qu'à ce moment-là, il va me mettre un petit point dans la surface. C'est vraiment clair de ce qu'on veut représenter avec ça. L'autre chose qu'on veut représenter, c'est l'embout. Ça, c'est la pièce numéro 13. Bon, ben, elle, je vais juste la tasser de là. Puis je vais venir la joindre avec ma bulle numéro 12. Ça va être mon embout. C'est vraiment un travail de patience, là. Il faut faire ça étape par étape. Donc, vous pourrez mettre ça en accéléré ou passer la section un peu plus rapidement si vous voulez. Il y a des choses importantes quand même à voir avec ça. OK. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais rajouter une ligne magnétique. Parce que là, j'en ai pas présentement de ligne magnétique qui va aligner ces bulles-là. Très simple. Fonction ligne magnétique. Je m'en viens ici. Je crée une ligne. Puis quand je passe proche d'une bulle, ben là, la ligne magnétique va s'accrocher à cette bulle-là. Moi, j'aime bien mettre l'espacement en mode libre. Okay, ça va vous permettre de glisser les bulles là où vous voulez sur la ligne, puis il n'y aura pas trop de... Comme ceci, il n'y aura pas trop de problème avec ça. On s'arrange pour ne pas croiser non plus les lignes des bulles. Bon, là, ma 14, là, c'est une pièce qui est vraiment petite sur cette vue-là. Je vais la changer de vue, je vais l'envoyer ici. Donc, je sélectionne le bout, je la décroche là, et je vais aller la raccrocher dans ma vue agrandie. Puis ici, je peux la mettre de ce côté-là. Là, ici, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Mon numéro n'est pas bon. C'est parce que j'ai cliqué sur la ligne d'axe. Je me tasse un peu, ça devient un petit point. Ça veut dire que ça clique la surface. Et là, il n'y a pas de doute, c'est vraiment la pièce 14. Bon, une autre pièce ici qui n'est pas identifiée, probablement qu'il ne l'a même pas créée, cette bulle-là, c'est notre rondelle qui va au milieu ici. Donc là, moi, je vais rajouter une bulle qui est non, pas automatique, une bulle ordinaire. Et je vais venir pointer dans cette surface-là. Et ça va me créer ma pièce numéro 10, ma bulle 10. Je peux faire une ligne magnétique aussi pour relier ces deux-là. Comme ceci. On est en mode glissement libre, donc là, ça va bien. Peut-être si je la mettais en haut. Ouais, je pense que c'est plus clair. Ici, le problème qu'on a, c'est que... Il pourrait y avoir un croisement ici qui serait un petit peu moins clair, là. Même ici, là, je pense que je vais la pointer sur la ligne. Et voilà, comme ceci. Je pense que c'est vraiment la façon la plus claire de représenter ça. OK. Donc ça va bien. Bon, la bulle numéro 15, ça, c'est vraiment pas très clair. Mais je n'ai pas tant de moyens de la placer ailleurs que ça. Donc, celle-là ici, je pense que je vais la laisser comme ça. Et puis, ça c'est bon. Dans ma vue d'en haut, OK, pièce numéro 5, c'est la rondelle. Je la vois mieux en bas. C'est vraiment du travail, là, étape par étape. Comme ceci. Ma pièce numéro 5, ça c'est bon. J'ai le droit de croiser mes lignes d'attache. Ma pièce numéro 6, c'est la vis à l'extrémité. Comme ceci. Là, ils ne sont pas bien alignés, donc je peux me rajouter une ligne magnétique. Excellent. Ça sent bien. Maintenant, pièce numéro 7, c'est la butée. On la voit bien ici. J'aurais aimé ça que SolidWorks nous place plus de vues sur la vue de face. Ça va être important qu'à la fin, là, toutes nos bulles, ça forme comme des rectangles autour des différentes vues. Rectangle, rectangle, rectangle ici. Pièce numéro 8, c'est le mort mobile. On le voit bien dans l'autre vue d'en bas.
Et le mort mobile, j'en ai deux. C'est la même pièce qui se répète deux fois. Moi, ce que je vous suggère de faire dans ce temps-là, c'est de mettre seulement qu'une fois la bulle. Et puis, l'usager va comprendre que ça se répète à deux fois. Okay? Donc, c'est toujours comme ça qu'on va travailler. Même si la pièce se répète 25 fois, on ne met pas 25 bulles. Donc, c'est la même pièce. Une bulle pour les 25 pièces, ce serait suffisant. Maintenant, s'il y a un danger de confusion dans votre assemblage, et on pourrait se tromper deux pièces qui se ressemblent beaucoup, on ne peut pas prendre le risque, à ce moment-là, on peut mettre les bulles plus qu'une fois. Mais en général, seulement qu'une fois la bulle 8, une fois la bulle 7, une fois la bulle 9, même s'il y a des répétitions de pièces qui sont nécessaires dans l'assemblage. OK. Bon, mon travail, ça va bien. La 2, je peux la laisser là. Je vais la joindre avec la 3 ici. Cette ligne magnétique-là, il n'y a plus rien dessus. Donc ça, je vais l'enlever. La bulle numéro 4, ça se trouve à être la pièce fixe, la butée fixe. Là, ma butée fixe, je vais la pointer sur la vue de face aussi. Ici. Puis je vais la joindre avec cette ligne-là. Et voilà. Ça va bien. Là, de ce côté ici, j'ai des anneaux de retenue. Ça, ces anneaux-là, je pense que je vais les laisser comme ça parce que, bon, pour la démonstration, je ne veux pas que ce soit trop long, là. Donc, ça, ces pièces-là, je vais les laisser de cette façon-là. La pièce 9, ça semble être la vis. Là, la vis, je peux la pointer directement comme ça. Ce serait plus clair. Tout ce qu'on veut, dans le fond, c'est que les pièces soient vraiment claires, là. Chacune des pièces soit bien identifiée, qu'on comprenne bien, qu'il n'y ait pas de doute que ça puisse être une pièce ou une autre. OK. Donc là, on peut toujours prendre le temps de compter les bulles pour être sûr qu'on a toutes les pièces. Okay? Parce que SolidWorks, il va sauter des pièces. S'il n'y a pas les vues nécessaires pour afficher la pièce, il ne peut pas mettre la bulle. Ou encore, si la pièce est complètement cachée à l'intérieur, il ne pourra pas mettre la bulle. Donc, c'est important de réviser ça. Fait que là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, je ne la vois pas. 11, 11, 11, 11. Donc, il me manquerait une bulle, la 11. La 12, je l'ai ici. 13, 14. C'est pas mal ça. Donc là, je vais y aller avec ça. 15 ici. Okay? Maintenant, la pièce numéro 11. Qu'est-ce que c'est que cette pièce numéro 11? On ne le saura pas tant qu'on n'aura pas fait la liste de matériel. Okay? La liste de matériel va nous permettre de savoir c'est quoi la pièce numéro 11 assez facilement. Bon, ça va. Je suis juste sûr de ne pas rien oublier concernant les bulles. Ligne magnétique, ça va. OK. Un petit détail important sur les bulles, c'est que vous remarquez que mes bulles sont toutes. Les flèches sont toutes inclinées. Okay? Il n'y a pas de flèches qui sont verticales ou horizontales. Ça va être vraiment important. Vous ne pouvez pas faire une bulle avec une ligne d'attache, on peut dire, ou une flèche qui va être parfaitement verticale ou parfaitement horizontale. On n'a pas le droit de faire ça. Il faut que les bulles soient toujours, les flèches soient toujours inclinées d'au moins 15 degrés. Okay, donc, faites ça à l'œil, mais il faut que ce soit incliné. Il faut qu'on voit la petite inclinaison de chacune des bulles. OK, ça c'est beau. Si jamais vous avez des bulles qui sont, des trucs qui sont difficiles à aller chercher, et donc, je pourrais en mettre une juste pour vous montrer ici. La numéro 3, c'est un anneau de retenue. Je vais l'envoyer en bas ici. Et voilà. Vous voyez le problème que j'ai ici, c'est que je pointe une pièce. Puis je dois traverser à travers la mâchoire ici pour pointer cette pièce-là. C'est pas très beau. Moi, ce que j'aimerais mieux faire, c'est faire un croche puis venir rejoindre à l'intérieur ici. Ça, c'est possible de faire ça. On va faire bouton droit, ajouter une jonction et je vais venir cliquer un point de jonction sur ma flèche.
Avec ce point-là, je suis capable de prendre ma ligne puis de la casser comme ça. De venir pointer à l'intérieur le snap ring qui est là. Ça, c'est vraiment clair, là, montré comme ça, c'est encore mieux. Excellent. Donc là, je regarde ma mise en page. Qu'est-ce que ça a de l'air? C'est bon. Je me suis laissé beaucoup d'espace ici pour être capable de mettre ma liste de matériel. Donc ça devrait bien aller. Je vais peut-être devoir descendre ma pièce 14 ici. Je pense que je vais l'envoyer plus bas ici. Ceci. Et voilà, pour laisser de l'espace pour ma liste de matériel. OK. Je pense qu'on serait pas mal rendu là. Donc, du point de vue de la liste de matériel, c'est facile de l'importer. Là, vous allez voir que moi, j'ai des trucs qui sont un peu arrangés avec le gars des vues, comme on dit. Donc, la nomenclature que vous avez dans la barre d'outils d'annotation, les tables, vous allez choisir nomenclature. Ça, c'est la description des pièces. On choisit une vue, n'importe laquelle. Et ensuite de ça, je vais pouvoir positionner, vérifier que vous avez le bon format ici. Ça devrait être BOM-TGM. Et ici, on va venir positionner notre liste de matériel dans le coin. Puis là, on se rend compte évidemment que ça rentre dans mes vues. Ça crée un problème. Là, je vais vous montrer comment le régler très facilement. On peut réduire la grosseur de la liste. On a du jeu. On est capable de changer la grosseur de la liste. Si je fais rien, je m'en viens dans le bas ici. Et là, je ne peux pas changer la hauteur. Je peux changer la largeur, mais je ne peux pas changer la hauteur. Comment faire pour changer la hauteur de la liste? C'est parce que là, c'est verrouillé présentement, mais on peut le déverrouiller facilement. Je fais bouton droit en haut à gauche ici. Et je vais aller dans mise en forme. Et je vais enlever le clic sur figer la hauteur des lignes. Là, ça va débloquer la hauteur des lignes. Je vais être capable ensuite de prendre ma liste et la remonter ici de cette façon-là. OK. Donc, si j'ai besoin de plus d'espace, là, je peux modifier un peu mes dessins, aller chercher des moyens d'améliorer l'espace. Mais là, moi, j'ai pas mal tout ce qu'il faut. Si vous remarquez ma liste, je vous avais dit que c'était arrangé un peu avec le gars des vues. Donc là, ma liste de matériel est presque toute remplie. Il me reste une colonne ici de matériaux qui n'a rien d'écrit. Ça, c'est une erreur qu'il y a sur mes patrons de sur mes patrons de liste de matériel. Regardez bien ce qu'on va faire avec ça. On va cliquer sur le bouton droit, c'est-à-dire c'est un double clic qu'on fait sur la colonne et on va pouvoir changer les matériaux ici. C'est parce qu'il y a eu une erreur au niveau de la programmation de la liste de matériel. Donc, dans les prochaines versions, ce sera corrigé. Donc, on va venir ici dans la deuxième section qui s'appelle nom de propriété. Et on va choisir matériel, qui est ici. Et là, tous mes matériaux vont se retrouver automatiquement dans ma liste. Et là, moi, j'ai triché un peu, là, parce que j'ai toutes mes informations sont déjà pré-remplies dans mes pièces. Ça veut dire que chacune des pièces possède déjà la bonne information. Quand vous allez le faire avec vos projets, probablement que ça ici, ce ne sera pas rempli comme il faut. Donc, il faudra remplir chacune des lignes pour les descriptions, etc. La colonne item et quantité va se faire automatiquement. Donc, les items, c'est les numéros des bulles. Et les quantités, c'est les numéros de. C'est-à-dire, c'est les quantités de pièces qu'on va avoir. Donc, ça aussi, SolidWorks fait le décompte automatiquement des pièces qui se répètent. OK, je vais juste aller voir ma pièce numéro 11. C'est quoi la bague? Pardon. Donc, si je veux avoir un aperçu de c'est quoi la bague, ou si j'avais aucun texte qui me disait c'est quoi cette pièce-là, il y a moyen d'avoir un aperçu quand même dans la liste de matériel. Vous allez cliquer sur le petit onglet ici avec les triangles noirs, là. Petit, on va le zoomer, bon, comme ça. Et puis, ce que ça fait, c'est qu'il va nous donner un aperçu. Donc là, ma pièce 11, c'est des bagues en bronze qu'on a dans notre assemblage. Et il n'y a peut-être pas de place où on peut voir ces bagues-là. Donc, on va regarder s'il n'y a pas moyen de corriger ce problème-là. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de place où les pièces sont affichées. Les bagues ne sont pas affichées ici parce que je ne coupe pas vis-à-vis les bagues. Ici, on les a seulement qu'en pointillés.
Ici aussi, c'est seulement qu'en pointillé. Bon, mais là, c'est une application excellente pour une vue qu'on appelle coupe partielle ou encore coupe locale. Je vais aller dans Mise en plan. Je sélectionne ma vue ici. Je vais aller choisir coupe locale. Et je vais tracer une spline ici vis-à-vis l'endroit que je veux couper dans ma pièce. Comme ceci. Hachurage automatique. Tout est beau. Puis là, je vais aller choisir mon aperçu. Et je vais cliquer sur le niveau, à quelle hauteur je veux couper. Là, je vais essayer de trouver un point. Peut-être l'extrémité ici, ce serait bien. Je ne sais pas s'il va le prendre. Si j'étais capable de prendre un point milieu, ce serait parfait. Ça ne veut pas. Je vais essayer avec la ligne. Ça non plus, ça ne semble pas être bon. Je coupe dans ce sens-là. Ah, là, ça a fonctionné. Excellent. Donc là, je regarde mon aperçu. Effectivement, je vois ma bague à l'intérieur ici. Okay, donc, je vais avoir une belle coupe qui va se faire ici, qui va me permettre de bien voir pour mes bagues. Les lignes pointillées, je pourrais les enlever ou les garder. Ça dépend comment on veut le faire. Ce qui va être important ici, c'est de rajouter la bulle qui nous manque dans les annotations. Comme ceci. Bulle numéro 11. Bon. Ça, c'est du travail bien fait. Excellent. Donc là, ma liste est pas mal toute remplie. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, si je vais enlever l'affichage des petits triangles, bon, OK. Donc, ce qu'il nous reste à faire ici, c'est de réordonner tout ça. Pourquoi? Parce que là, on a des pièces fabriquées, on a des pièces achetées de quincaillerie. Ici, c'est tout mélangé, cette affaire-là. Donc là, nous, on va rétablir de l'ordre là-dedans. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener toutes les pièces de quincaillerie dans le bas en cliquant sur la zone comme ça. Je tiens mon bouton gauche et je viens descendre ma pièce. Comme ceci. Même affaire là. Et si vous remarquez, les numéros de pièces vont changer en conséquence. J'essaie de grouper les pièces semblables, j'essaie de les grouper ensemble. Donc là, toutes mes vis vont être regroupées. Après ça, les anneaux, les rondelles, etc. Maintenant, il y a un ordre standard que vous allez utiliser dans toutes vos listes de matériel. Okay? Puis ça, je les explique dans la théorie. Je vais retrouver la page rapidement. OK. Si vous regardez dans la théorie, à la page 19, vous avez la liste de ce qu'on doit mettre et comment on doit organiser la liste de matériel. Donc, les premiers éléments en haut de la liste, ça devrait être les sous-ensembles. Ensuite, les sous-ensembles soudés. Après ça, les dessins de détails de pièces fabriquées, soit usinage ou autre. Ensuite, les pièces coupées, mais qui n'ont pas besoin de dessins de détails, comme par exemple une barre d'un pouce par un quart par 24 pouces de long. Je n'ai pas nécessairement besoin d'un dessin de détail si la pièce est très simple. Si c'est une pièce que je peux couper avec les dimensions que j'ai dans la description, je n'ai pas besoin d'un dessin nécessairement. Donc, ces pièces-là vont être après. À la fin, je vais mettre les pièces achetées. Donc, ça peut être des moteurs, des engrenages, des pistons hydrauliques, toutes sortes de choses. Et à la fin, je vais mettre la quincaillerie, tout ce qui est vis, rondelles, écrous, goupilles, clavettes, etc., etc. Donc là, on va réordonner la liste en conséquence. Là, moi, je n'avais pas tant d'items différents que ça. J'avais des pièces fabriquées usinées et j'ai de la quincaillerie. Donc, c'est sûr que tout est en haut pour ce qui est des pièces qui sont usinées. Donc, si vous remarquez dans la section matériel, toutes les pièces qui sont usinées, j'écris le matériel ici. Dans le fond, le matériel s'écrit automatiquement parce qu'on a choisi pour la butée écrou, j'avais choisi dans la pièce 3D. Le matériel AISC 1020. Maintenant, son numéro de dessin de détail,
Ici, je pourrais le modifier. Si je veux l'avoir vraiment en premier, cette pièce-là, je pourrais modifier les numéros de dessin puis les remettre de façon séquentielle. Ça, c'est pas si grave si les numéros de dessin ici sont pas en ordre, mais si c'est possible, on aimerait mieux les avoir en ordre. Donc là, moi, je vais les retrouver ici. Bon, mon premier dessin, c'est lui. Je viendrai le remonter en haut. Ensuite, dessin 2, c'est la pièce tige. Comprenez-vous, là, je les remettrai en ordre. Là. Comme ça. Pièce 4. Ça va être à vous de décider quand ça va être le temps de faire votre liste, quel va être le numéro du dessin de détail pour chacune des pièces. 4, 5, 7. Voyez-vous, je saute des numéros ici, ça va arriver là. Et les derniers sont tous combinés sur le détail 9. Pourquoi je dis ça va arriver? Il y a des fois qu'au niveau des assemblages, il y a des pièces qui sont détaillées, qui viennent de certains assemblages, d'autres qui viennent de d'autres assemblages. Donc, ça va faire que les numéros de dessin de détail ne suivront pas nécessairement sur votre feuille. C'est correct comme ça. OK. Donc là, j'ai vraiment une belle liste de matériel. Autre chose aussi que je veux vous faire remarquer, c'est que tout est écrit en lettres majuscules et tout est en français, dans un bon français bien écrit. Et pour ce qui est des pièces de quincaillerie, quand vous allez importer des pièces de McMaster, lui, il va avoir une description qui va être en anglais. Donc, il faut traduire, puis souvent faire des abréviations pour que ça rentre dans notre ligne. Et c'est très important que pour chacune des pièces de quincaillerie, vous inscriviez les dimensions de la vis ou les dimensions des goupilles ou des écrous, etc. Et donc, ici, j'ai une vis à tête ronde, 1/4 28 par 3/4 de long en acier. Donc, cette vis-là, le matériel, je l'écris dans la description. Pourquoi? Parce que dans la colonne matériel, j'aimerais ça que vous mettiez le nom du fournisseur. Quand c'est des pièces achetées, on va toujours écrire ici le nom du fournisseur et le numéro du catalogue qui va avec. Donc ça, c'est différent des pièces fabriquées. Les pièces fabriquées, on va toujours avoir le matériau et le dessin de détail, tandis que quand c'est des pièces achetées, on va écrire McMaster et le numéro de catalogue qui va avec. Donc ça va être facile de retrouver la pièce. En plus, on a une bonne description ici. Donc, si jamais je veux acheter mes pièces ailleurs, ben, c'est possible de commander les pièces facilement. Chez d'autres fournisseurs parce que j'ai toutes les dimensions et les descriptions. Excellent, ça va. Donc là, il me resterait à remplir la cartouche. Donc, je viendrai ici, éditer le fond de plan. Donc, mon projet, c'est l'étau de perceuse. C'est le dessin d'assemblage. Le nom du dessinateur. On va écrire la date. On va zoomer un peu plus, ça va aller mieux. Moi, j'écris juste le mois, là, mais vous pouvez écrire la journée aussi. Et c'est l'assemblage 1, ça c'est déjà bon. Pour l'instant, il n'y a pas de révision sur mon dessin. Quand j'ai fini, je confirme ça avec le bouton qu'on a dans le coin en haut à droite. Et sachez que pour un dessin d'assemblage, il n'y a pas de bloc-titre. Okay? Quand c'est le premier dessin d'assemblage d'un projet, il n'y a pas de bloc-titre. Okay? Parce que, dans le fond, tout est décrit comme il faut à partir de ça. Il n'y a pas de référence à avoir, il n'y a pas de quantité non plus. Donc, c'est ça. Les matériaux aussi, c'est très différent. Donc là, il n'y a pas de matériaux à écrire là-dedans. Donc le bloc-titre n'est pas intéressant. Par contre, tous les autres dessins qu'il y a par la suite, que ce soit des sous-ensembles, des mécanos soudés, des dessins de détail, tous ces types de fichiers-là vont tous avoir un bloc-titre. Il faudra prendre le temps d'y faire comme il faut. Excellent. Donc là-dessus, ça termine la démonstration. Maintenant, si on retourne à la théorie. Les exercices qu'on aura à faire pour le chapitre numéro 5, je vais vous demander de compléter le dessin d'ensemble de l'étau de perceuse tel que je vous ai montré dans cette démonstration-là. Vous allez me l'enregistrer au format PDF et vous allez le copier sur la remise de Léa quand vous aurez terminé. Maintenant, ce n'est pas super long à faire comme travail. Donc, quand vous aurez terminé, je vais vous demander de commencer la modélisation des pièces du projet numéro 1 qui s'appelle Contrôle de débit. Et je vais vous donner les explications
dans le prochain chapitre. Je vous remercie. Ça termine pour cette semaine.